Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Sébastien Blum, responsable marketing et pré-sales chez Partoo et je suis accompagné de Clément Picard, expert en SEO local. Bonjour à tous. Pendant la prochaine demi-heure, on va vous parler des messages, du commerce conversationnel et de la manière dont cette tendance va venir contribuer à l'amélioration de l'expérience client. Donc, on va aborder plusieurs sujets. Tout d'abord, on va vous expliquer pourquoi les messages vont devenir un canal incontournable pour les commerces et les réseaux. On parlera ensuite des enseignes qui ont déjà implémenté les messages en vous partageant les retours d'expérience des entreprises Stellantis et Kingsway. On continuera ensuite ce webinaire en vous donnant nos conseils pour être prêt et implémenter cette technologie. Et enfin, on conclura avec l'avenir des messages et du commerce conversationnel. Donc l'idée, c'est de garder un moment d'échange à la fin. Donc on va faire 30 minutes de présentation et 30 minutes de questions-réponses. Et n'hésitez pas à poster vos questions au fur et à mesure de la présentation, dès qu'elles vous viennent en tête. On remontera la liste des questions à la fin du webinaire pour y répondre pendant les 30 dernières minutes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on tenait à reprendre une slide qui a été faite par Google, qui remet en perspective les grandes évolutions technologiques de ces dernières années. Ce qu'on observe, c'est qu'à peu près tous les 10-15 ans, il y a une grosse révolution technologique qui vient changer les paradigmes et la manière dont les gens utilisent Internet. Donc, ça a commencé dans les années 70 avec la création du mainframe, qui est en fait le premier ordinateur, suivi dans les années 80 par le développement du desktop, l'ordinateur personnel qui préparait finalement le terrain à ce qui s'est passé dans les années 90, c'est-à-dire la démocratisation d'Internet. La démocratisation d'Internet, qui est peut-être une des transitions les plus importantes, puisqu'elle impliquait de nouveaux moyens de communication pour les marques, et bien sûr la naissance du e-commerce. Ensuite, on l'a tous vécu dans les années 2000-2010, il y a eu l'explosion du smartphone, qui a aussi changé beaucoup de choses. L'explosion du smartphone, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Internet dans sa poche, ça veut dire des nouveaux parcours clients impliquant plus d'instantanéité. Et enfin, la dernière révolution dont on va vous parler plus particulièrement pendant ce webinaire, c'est la révolution qu'on est tous en train de vivre actuellement. La révolution du messaging et de l'intelligence artificielle, qui va nécessiter des marques qu'elles repensent la manière dont elles interagissent avec leurs clients. Donc là, on vous présente ça un peu de manière empirique, mais si on prend un peu de recul, cette évolution ou cette révolution, c'est simplement le prolongement d'une tendance qui est déjà observée. Rappelons-nous de la manière dont on communiquait il y a une dizaine d'années, avant la création de WhatsApp en 2009, donc c'est pas si vieux, de Messenger en 2012, des applications de messagerie pro, Slack ou Teams par exemple, ou même des SMS illimités. À l'époque, quand tout ça n'existait pas, pour contacter un proche, un collègue, une entreprise, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on l'appelait. Et pourquoi? Ben simplement parce qu'il n'existait pas d'outil permettant d'interagir simplement avec quelqu'un par messagerie instantanée. Mais je pense que vous l'aurez tous remarqué, ça a beaucoup changé. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous qui va apparaître dans la rubrique sondage en bas à droite. Combien de messages via des outils de messagerie instantanée avez-vous envoyé depuis que vous êtes réveillé ce matin? Donc je parle de tout type de messages, des messages perso, via WhatsApp, via Messenger, ou des messages pro via votre chat d'entreprise, que ce soit Slack, Teams ou un autre. Donc, quatre réponses possibles. Aucun, il est encore tôt. Moins de 5, entre 5 et 10, ou 10 ou plus. Donc, je vais suivre les résultats au fil de l'avancée. Donc, ce qu'on voit, donc, très nettement aujourd'hui, sur 29 votes, il y en a 19, 20 qui ont déjà envoyé plus de 10 messages aujourd'hui. Donc, c'est énorme, hein, il est que 11 heures. Mais donc ce qu'on voit, c'est que la grosse majorité des personnes ici ont déjà envoyé un nombre très important de messages par messagerie instantanée. Je rappelle que je parle de tout type de messages. Donc, ce qui n'existait pas il y a 15 ans est désormais devenu omniprésent et a été rendu possible grâce à la démocratisation et à la gratuité des outils de messagerie. Je les recite, WhatsApp, Messenger, Slack ou autre. Et si on regarde de plus près, une des seules entités avec laquelle il n'était pas possible de communiquer par message jusqu'à très récemment, c'était les établissements physiques, les points de vente.
pas par manque de volonté des internautes, mais par manque d'outils. Mais c'est en train de changer. C'est en train de changer car il y a beaucoup d'acteurs clés du web qui sont en train ou qui ont sorti des outils de messagerie à destination des établissements physiques. Et parmi ces acteurs, on en compte deux types. D'une part, sur la gauche, les acteurs spécialisés en référencement local qui sortent des solutions de messagerie. C'est le cas de Google avec Google Business Message et de Apple avec Apple Business Chat. Et d'autre part, on a des acteurs qui viennent plus du monde du social ou du monde du chat qui sortent des solutions de référencement local. C'est le cas de WhatsApp, par exemple, dont Mark Zuckerberg a dit qu'il voulait faire le nouveau page jaune, ou encore d'Instagram, qui a sorti cet été une fonctionnalité qui s'appelle Map Search, qui concrètement permettra de chercher un établissement comme on le fait sur Google Maps. Et donc, à la fin, toutes ces applications, Google, Apple, WhatsApp, Instagram, Facebook, elles permettront de faire la même chose, trouver un magasin et interagir avec lui par message. Mais quand on parle de point de vente, il y a une plateforme qui compte plus que les autres. Je pense que vous le savez, et cette plateforme, c'est Google Business Profile, anciennement appelé Google My Business. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est souvent le premier point de contact entre un établissement et un internaute. Et donc, c'est sur ces fiches Google Business Profile qu'il faut donner un moyen simple aux internautes de vous contacter. Et c'est justement ce que permet de faire Google Business Message. Google Business Message, qu'est-ce que c'est? C'est la solution de messaging pour les établissements physiques créée par Google qui va permettre aux internautes d'interagir par message avec des établissements directement depuis la page des résultats de recherche. Concrètement, quand la fonctionnalité est activée, c'est une option, hein, faut vraiment vouloir l'activer, il y a un bouton discuter qui apparaît sur la fiche de l'établissement, sur mobile uniquement pour l'instant. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir ce bouton sur desktop pour l'instant. Lorsqu'un internaute clique dessus, il y a une fenêtre de chat qui apparaît avec un message de bienvenue configurable par l'établissement auquel l'internaute n'a plus qu'à répondre, que l'établissement recevra et auquel il pourra répondre par la suite. Si vous voulez tester tout de suite, je vous invite à le faire, à prendre votre téléphone, à rechercher la fiche partout sur votre téléphone et à nous envoyer un message juste pour un peu tester l'expérience et voir à quoi ça ressemble. Quand on en parle comme ça, on en parle comme d'une tendance future, de quelque chose qui va s'imposer, de quelque chose auquel penser pour demain. Mais ce n'est pas le cas. Les messages, c'est aujourd'hui, et c'est vraiment aujourd'hui que ça se passe, qu'il y a une fenêtre d'opportunité, qu'il y a un train à prendre pour ne pas prendre de retard sur ce point-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'enseignes qui ont déjà intégré Google Business Message à leur stratégie. Donc on peut compter par exemple dans la grande distribution Cora, Maïve dans l'assurance, Elsan ou Tessan dans la santé. Bref, il commence à y avoir beaucoup d'émulsions autour de cette tendance, beaucoup d'articles à ce sujet. Et toutes ces entreprises qui ont pris en main cette fonctionnalité, elles sont en train de prendre beaucoup d'avance. Pourquoi? Parce que le jour où les messages seront réellement démocratisés et que du coup, tous les internautes auront l'habitude de les utiliser pour contacter des points de vente, et bien toutes ces enseignes-là, elles auront déjà une idée clair du volume à attendre, du contenu des messages, de l'organisation à appliquer pour y répondre et de tous les éléments que les autres entreprises devront étudier avant de lancer. Et maintenant, si on regarde d'un point de vue un peu plus marché, d'un point de vue un peu plus chiffre, pourquoi est-ce que les messages, c'est important? Ça répond à un vrai besoin. Tout d'abord, un besoin du côté des établissements et des réseaux, puisque chaque année, les établissements physiques ils reçoivent 250 milliards d'appels téléphoniques dans le monde, ce qui est très coûteux à gérer et offre une expérience qui n'est pas optimale à la fois pour les personnes qui appellent et pour les personnes en magasin. Pour les personnes qui appellent, parce qu'un appel, ça va souvent impliquer une mise en attente. Après une mise en attente, souvent c'est une réponse inadaptée, parce que forcément on n'a pas le temps de préparer sa réponse, voire même une absence de réponse. Pour les personnes en magasin, ça impacte l'expérience aussi, car le temps passé par le personnel de l'établissement au téléphone, c'est du temps qui n'est pas passé à conseiller le client. La deuxième raison pour laquelle on pense que c'est important,
c'est que ce constat de 250 milliards d'appels téléphoniques, il a été largement, comment dire, augmenté depuis la crise du Covid. Pourquoi? Parce que les internautes, ils ne souhaitent plus se déplacer dans un établissement s'ils ne sont pas sûrs d'y trouver ce qu'ils recherchent. Et ce qu'on observe, c'est que suite au Covid, le nombre d'appels téléphoniques, il a augmenté de 30% dans le secteur de l'habillement, de 35% pour les concessionnaires automobiles, de 50% pour la banque et l'assurance. Donc c'est énorme. Mais ce qui est bien, c'est que ce n'est pas une fatalité. Ce qui est une solution. Et cette solution, vous l'aurez vu venir, c'est les messages. D'après Facebook, il y a 75% des internautes qui souhaitent pouvoir échanger avec un commerce plutôt que de l'appeler. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un besoin côté enseigne, c'est qu'il y a une demande côté client. Et dernier point, c'est qu'il y a une solution. Et cette solution, elle est en plus beaucoup plus efficace. Elle présente trois avantages clés. Le premier avantage, c'est la réponse asynchrone. Quand un internaute envoie un message, il ne s'attend pas à une réponse instantanée. Il envoie un message, il pose son téléphone jusqu'à ce qu'il reçoive une réponse. À l'inverse du téléphone, qui implique forcément une réponse immédiate, au risque d'envoyer un client potentiel directement chez la concurrence. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, j'appelle un restaurant pour réserver, il ne répond pas. Qu'est-ce que je vais faire tout de suite? Je vais appeler le deuxième. Alors que si j'envoie un message, je suis davantage prêt à attendre de recevoir une réponse. Ce qu'implique la réponse asynchrone, c'est aussi que les responsables de magasin, ils peuvent se concentrer sur leur activité et répondre aux messages quand ils ont le temps. Et enfin, le dernier point qu'implique la réponse asynchrone, c'est que les responsables de magasin ou les personnes qui vont répondre, ils peuvent prendre le temps de bien lire la question, de bien la comprendre et de préparer une réponse adaptée, ce qui n'est pas du tout possible de faire par téléphone. Le deuxième bénéfice principal à l'utilisation des messages, c'est l'historisation. Aujourd'hui, vous recevez plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'appels par mois, mais dans la plupart des cas, vous n'avez aucun moyen de connaître le contenu de ces appels. Avec les messages, vous gardez une trace de vos échanges. Vous pouvez mesurer des indicateurs clés comme le taux de satisfaction, le délai de réponse, et en tirer des enseignements qui vont vous permettre ensuite d'améliorer la gestion des messages entrants et donc l'expérience client. Et enfin, le dernier argument qui est central, c'est que les messages, c'est un outil qui est orienté génération de revenus. Et le fait que ce soit un outil orienté génération de revenus, c'est en fait une résultante des deux premiers bénéfices. Puisque l'historisation et le fait de garder une trace de ces messages, ça vous permet d'analyser vos messages, d'en tirer des enseignements pour en améliorer la gestion, en créant par exemple une bibliothèque de réponses. La réponse asynchrone, ça va permettre aux répondants, donc aux personnes qui vont gérer les messages de l'entreprise, de prendre le temps de chercher la réponse la plus adaptée à apporter à partir de l'étude qui aurait été faite grâce à la historisation. Donc voilà, pour la présentation du message, l'explication de pourquoi est-ce que c'est important. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le concret. Et Clément va vous présenter des retours d'expérience de nos clients et vous donner quelques conseils pour être prêt. Ouais, effectivement. Donc, l'objectif maintenant qu'on a vu un petit peu comment fonctionnait le message, ça va justement être de vous présenter deux retours d'expérience de deux clients différents qui ont mis en place un mode d'organisation qui est différent aussi, mais avec des résultats qui à chaque fois ont été atteints et plutôt à la hauteur des espérances de chacun des clients. Le premier cas, c'est celui de Stellantis and You pour être plus exact. Stellantis and You, c'est environ 200 concessions partout en Europe. Et ce qui se passe avec Stellantis and You, c'est que ça fait quelques années maintenant qu'on travaille avec eux, notamment sur leurs problématiques de visibilité et d'e-réputation. Et en travaillant justement sur cette visibilité, on a pu faire en sorte que leurs fiches apparaissent plus souvent sur Internet et plus d'interactions avec les utilisateurs. Mais aussi, le penchant de ça, c'est que du coup, ça veut aussi dire plus d'appels téléphoniques et donc un centre de coût qui augmente. Alors même que la volonté serait peut-être de réduire ce centre de coût et donc réduire ce que représente le supplément d'appels téléphoniques qui ont lieu grâce à une explosion de la visibilité. Donc la question s'est posée à un moment de se dire implémenter le message pour un réduire le coût des appels, mais aussi être capable de mieux comprendre et mieux qualifier les interactions qui peuvent avoir lieu avec des clients ou des clients potentiels.
La façon dont a fonctionné Stellantis, c'était une organisation purement centrale. Purement centrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chacun des pays, le responsable marketing a désigné à chaque fois un ou deux opérateurs qui allaient être en charge de répondre à l'ensemble des messages qui allaient être reçus au niveau des concessions d'un pays. Par exemple, pour la France, une personne avait été désignée et cette personne répondait à l'ensemble des messages qui étaient reçus sur l'ensemble des concessions Stellantis NU en centrale. Le tout était bien sûr coordonné par l'équipe en charge du projet, donc Valérie et Anan, mais c'était vraiment un objectif de centralisation. Les objectifs au travers de la mise en place du message pour Stellantis NU, c'était bien sûr de répondre à 100% des messages, d'accord? C'était d'être capable de répondre en moins de 5 minutes à 80% des messages, donc d'où ce modèle d'organisation et de s'assurer que ça fonctionne bien. Et puis c'était aussi pouvoir constater si le message pouvait générer jusqu'à 20% de leads supplémentaires. Les premiers résultats, donc on a fait le test pendant 2 mois avec eux. Les premiers résultats, c'est que pendant 2 mois, ils ont reçu un peu plus de 400 conversations sur une centaine de points de vente. Et en fait, ces 400 conversations, elles correspondent à plus de 3 000 messages. D'accord? Plus de 3 000 messages. Maintenant, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que finalement, oui, le canal message était utilisé par les clients, et d'autant plus que entre le moment où on l'a mis en place en septembre et le moment où on a arrêté en novembre, le nombre de conversations a été multiplié par 8. Ça veut dire aussi que le consommateur, l'utilisateur est complètement habitué à l'utilisation du messaging, et c'est d'ailleurs ce qu'on a retrouvé dans la question qui a été posée au début par Sébastien, et donc est complètement familier à l'idée de communiquer avec son enseigne directement par un message. Avant de vous présenter les résultats et de la teneur des messages, etc., on a un sondage à vous proposer qui est, selon vous, quelles étaient les principales intentions au travers des messages échangés entre les consommateurs et l'enseigne. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre au questionnaire avant de vous présenter les résultats. On a déjà une dizaine de votes. Je ne vais pas vous donner d'indice sur la réalité. Je vais attendre qu'on en ait une petite trentaine pour que ce soit OK. OK, c'est parfait. Donc, à plus de 50%, à plus de 50%, vous pensez que ce sont des questions pratiques. Eh bien, alors, en fait, pas du tout. 60% des messages qui ont été reçus au travers du nouveau canal messaging étaient en fait liés à une intention d'achat. Seulement 15% étaient liés à des informations pratiques, pardon, et 24% à du support. Ce qui est en fait venu prouver et montrer que le messaging peut aussi être une solution qui va permettre demain de générer plus de chiffre d'affaires grâce à un tout nouveau canal de communication. Et donc, fort de ce résultat, maintenant, les objectifs pour Stellantis, c'est de continuer à pérenniser l'expérience qu'ils ont eue, d'abord en étudiant comment est-ce qu'ils pourraient automatiser le traitement de ces conversations, parce qu'il y a énormément d'éléments qui finalement pourraient être redirigés au travers de bots. Tout ça dans le but, d'une part, de dynamiser leur performance commerciale, mais aussi d'être capable de multiplier les points de contact avec leurs clients, surtout dans le cas particulier de Stellantis. Il y a un grand objectif à l'horizon 2025, qui est d'être capable de générer 25% de leurs ventes, donc on parle de ventes de voitures, hein, 25% de leurs ventes grâce au e-commerce. Et donc, si l'objectif est de faire de la vente online sur un produit qui est essentiellement offline, bien sûr que les messages seront un canal à prioriser. Donc ça, c'était le premier exemple, premier retour d'expérience Stellantis. Comme vous l'avez vu, une utilisation qui est essentiellement centralisée, d'accord, et qui a été globale, déployée sur tout le réseau. Maintenant, on va avoir un autre mode d'organisation qui est celui de Kingjouet. Kingjouet, c'est un petit peu différent parce que eux, ils ont souhaité plutôt complètement localiser la gestion des messages. Comment ils ont fonctionné? Déjà, ils ont sondé le réseau pour aller identifier quels allaient être les meilleurs ambassadeurs, les plus sensibles au digital, qui allaient pouvoir prendre en main un outil comme le messaging. Donc, les ambassadeurs, hein, c'est directement des collaborateurs, hein, qui sont en magasin. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont conserver une forme de collaboration entre les équipes marketing en local et la vingtaine de collaborateurs qui ont accepté de se lancer sur un projet pilote. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé par échanger.
quelle est la ligne éditoriale qu'on souhaite mettre en avant au travers de la réponse qu'on va faire aux différents messages. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont déjà des modèles de réponse qu'ils utilisent pour la réponse aux avis. Et donc, le ton ou la tonalité qu'ils souhaitent donner à l'ensemble des réponses qu'ils vont apporter aux utilisateurs ou à leurs consommateurs, ils la connaissent déjà. Ensuite, ils se sont posé la question de qui fait quoi entre le central, entre le local, parce que nécessairement, ils vont recevoir différents types de messages, vous l'avez vu juste avant, avec à la fois des messages qui recherchent des informations générales, d'autres qui vont être plus liés à une intention d'achat. Et donc là, déjà, ce qu'ils se sont dit, c'est que tout ce qui est lié aux informations générales, nous, en central, on va pouvoir le gérer. Tout ce qui est lié à l'intention d'achat, c'est plutôt au collaborateur en magasin de le gérer, parce que finalement, c'est aussi lui qui va potentiellement pouvoir exploiter un lead, faire venir le client en magasin et aboutir à un nouvel achat. Et sur cette période de 2 mois, ce qu'ils ont fait, c'est que cette collaboration très étroite, ils l'ont gardée entre le central et le local, mais ils l'ont aussi gardée entre la vingtaine d'ambassadeurs qui utilisent la solution, parce que c'est le meilleur moyen d'échanger des bonnes pratiques entre les différents membres du local, qui derrière vont aussi permettre de constituer le guidebook, ou en tout cas le livre de bonnes pratiques, qui sera utilisable pour l'ensemble des collaborateurs quand la solution sera déployée de manière plus globale. De la même façon que Stellantis, KingJoy avait aussi différents objectifs, des objectifs quantifiables, des objectifs non quantifiables. Premier objectif quantifiable, c'est essentiellement pour s'assurer de la faisabilité du déploiement d'une solution comme le messaging au sein du réseau. Donc ça veut dire s'assurer que lorsque c'est géré en local, l'ensemble des messages peuvent être répondus à 100%, et surtout dans un délai qui reste raisonnable d'environ 6 heures. Ensuite, il y avait d'autres objectifs non quantifiables, et là qui visaient plus à se poser la question de est-ce que demain mon réseau peut utiliser le messaging, et comment est-ce que je vais le préparer aux bonnes pratiques de demain. Et donc pour ça, c'était de s'assurer de convaincre les bons ambassadeurs de l'intérêt de la solution, s'assurer qu'ils l'utilisent, récolter l'ensemble des retours utilisateurs que j'allais pouvoir avoir au niveau du point de vente pour finalement préparer le meilleur passage à l'échelle possible demain. Et puis, encore une fois, définir ces bonnes pratiques lorsque demain, ce seront plus seulement 20 points de vente qui l'utiliseront, mais directement le réseau de 200 points de vente. Pareil, des résultats obtenus qui peuvent sembler faibles au regard du nombre de points de vente, parce qu'en fait, on ne parle que de 16 points de vente, mais ce qui est nécessaire de faire, c'est de l'estimer sur l'intégralité du réseau. Et quand on parle de 58 conversations et 191 messages pour la vingtaine de points de vente qui l'ont utilisé en un mois, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que annualiser et déployer sur l'ensemble du réseau, ça correspondrait à un peu plus de 10 000 messages qui auraient été échangés directement depuis la solution messaging, depuis ce nouveau canal. Bon, alors là, même chose, on a été analyser les intentions au travers des messages, et surprise ou pas, encore une fois, plus de 60% des messages qui ont été échangés sont liés à une intention d'achat. Ce qui vient encore une fois valider l'idée que le messaging peut constituer pour vous un nouveau canal d'acquisition et donc plus de ventes et donc plus de chiffre d'affaires. Maintenant qu'on a dit ça, comme vous l'avez vu, différents modes d'organisation sont possibles, différents périmètres sont possibles aussi. Et notre rôle, c'est aussi de vous conseiller sur ce qui nous semble le plus important si vous souhaitez tester au niveau de votre réseau. Ce qui est certain et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vos concurrents vont le faire. Ils font peut-être pas ça dans 6 mois, ils font peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. La question maintenant à se poser pour vous, c'est est-ce que vous voulez faire partie des précurseurs, quitte à le faire sur un réseau qui petit à petit va monter à l'échelle et s'adapter, ou est-ce que vous voulez faire partie des suiveurs, et auquel cas il risque d'avoir un retard technologique plus grand à combler. Nos conseils pour se préparer, c'est déjà de s'assurer que vous gérez parfaitement votre visibilité en ligne et notamment vos fiches Google Business Profile, Google Fiches d'établissement du coup en français. Le premier point, c'est de s'assurer que vous avez bien la propriété de l'ensemble de vos fiches, que vous les mettez à jour, que vous les optimisez et donc qu'elles sont capables d'apparaître auprès de l'ensemble des utilisateurs qui, à un moment ou à un autre, vont tenter d'interagir avec votre point de vente. Ensuite, ce que vous allez pouvoir identifier, c'est au sein de votre réseau, qui vont être les bons ambassadeurs, les bonnes personnes capables de prendre en main un sujet comme le messaging. Ça ne veut pas dire qu'il faut déployer sur tout le réseau, mais ça veut dire qu'il faut tester. Donc tester avec quelques établissements simplement au début pour voir comment ça prend et surtout quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez en tirer si à un moment
vous souhaitez déployer sur un périmètre beaucoup plus global. Vous avez toujours une responsabilité en centrale, c'est de conserver le cadrage de la tonalité de la façon dont vous avez souhaité que un collaborateur interagisse directement avec les différents utilisateurs qui, à un moment, vont vouloir parler par messaging. Et puis, une fois que vous allez avoir fait ces tests, vous allez avoir identifié la manière dont vous êtes le plus à même au sein de votre réseau d'utiliser le message. Et là, libre à vous de déployer auprès de l'ensemble du réseau et potentiellement de l'ensemble des collaborateurs ou des responsables d'établissement directement. C'était pour du coup nos conseils sur comment se lancer, comment démarrer. Maintenant, si on se projette un peu plus loin et si on réfléchit au message demain, qu'est-ce que ça va être ? Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on est encore dans une phase de requête. D'accord, une phase de requête. On est sur du commerce consultatif qui petit à petit va tendre vers le commerce conversationnel. Je vous donne un exemple. On est peut-être plusieurs à courir le semi-marathon de Paris ce week-end. Imaginons que je me retrouve un mois avant la préparation, j'ai besoin de chaussures. Je vais commencer à aller sur Internet et puis je vais chercher un magasin de sport. Je vais identifier un magasin de sport qui me permet d'interagir directement au travers de la fiche Google My Business avec le canal de messagerie. Puis ma première question, ça va être de demander s'ils vendent des chaussures. Et puis, au travers de cette discussion, petit à petit, je vais poser différentes questions, on va me répondre en temps réel, on va me faire des recommandations, on va peut-être me proposer les chaussures qui correspondent le plus à mon activité, on va me proposer une taille. Et comme ça, de bout en bout, je vais avoir un parcours d'achat qui va se faire uniquement au travers du canal de messagerie jusqu'à la validation de mon panier et de mon paiement. Est-ce que demain, du coup, va vous permettre le futur du commerce conversationnel, c'est justement d'apporter une expérience d'achat à l'ensemble de vos futurs clients qui sera intégralement gérée de bout en bout depuis le message. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, vous pourriez être capable de faire en sorte que un taux de conversion online qui est bien inférieur à un taux de conversion en magasin, finalement, commence par se rapprocher de plus en plus vers ce taux de conversion en magasin. Et c'est d'ailleurs l'objectif du messaging, c'est d'être capable d'accompagner vos clients pour qu'ils soient mieux conseillés, mieux guidés au travers d'un achat qu'ils feraient normalement en physique pour qu'ils puissent le faire directement en ligne. Et si on va encore plus loin, et peut-être dans un futur un peu plus lointain, on peut s'imaginer que l'étape d'après, le commerce conversationnel, ce soit finalement le marketing conversationnel. Si on reprend cet exemple où j'ai échangé avec une enseigne, j'ai acheté une paire de baskets, ils ont les informations sur moi, ils ont encore le contact, ils ont encore le canal de messagerie qui est ouvert. Qu'est-ce qui les empêche demain de venir me demander comment se passe mon entraînement pour le semi-marathon, de me pousser potentiellement du contenu en rapport avec mes achats, en rapport avec les activités que j'ai l'habitude de pratiquer, et donc de renforcer encore plus la relation que vous aurez demain avec votre clientèle au travers d'un canal qui est parmi ceux les plus utilisés aujourd'hui dans notre vie pro, dans notre vie perso, et qui correspond surtout aux attentes des consommateurs de demain, où, selon les études, ce qu'on constate, c'est qu'entre 70 et 90% des consommateurs s'attendent à pouvoir échanger directement avec leur enseigne. On a fait le tour sur le marketing conversationnel, on va maintenant pouvoir répondre à vos questions. Très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, partout, on est une entreprise qui accompagne aujourd'hui plus de 400 clients partout dans le monde. On les accompagne sur toutes leurs problématiques liées à leur visibilité en ligne, à leur présence en ligne et leurs problématiques d'e-réputation. Depuis peu, on les accompagne aussi sur l'utilisation et le déploiement du message au sein de leur réseau. Et si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent ou vous souhaitez prendre en main, on sera ravis de, dans un premier temps, répondre à toutes vos questions et éventuellement d'en parler avec vous pour voir dans quelle mesure on pourrait vous aider. Et je laisse la place aux questions.